La salle des réunions de la préfecture de la Baie a abrité ce mercredi une conférence d'information et de sensibilisation sur l'importance de la paix. La rencontre était animée par l'ambassadeur de la paix, Elhaj Diliba Diaby, qui était entouré pour la circonstance des autorités préfectorales et régionales de la Baie. Vous savez, notre mission n'est autre que passer le message de la paix. Car sans la paix, nous ne pouvons pas nous réunir ici, passer tout ce temps sans avoir l'armée et la police à notre portée. L'ambassadeur de la paix a invité les acteurs politiques guinéens à combattre la xénophobie, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et je lance un appel à tous les leaders des politiques de la Guinée, politiciens quiconque, quelle que soit la personne, quel qu'en soit le parti. La Guinée et la Guinée, les Guinéens n'ont pas besoin d'être divisés, n'ont pas besoin d'être exilés. Nous ne l'avons pas fait depuis 60 ans. À partir du moment où vous arrivez à votre âge de 60 ans, vous deviendrez sage. Le conférencier a mis l'occasion à profit pour décerner une attestation de satisfaction à Elhaj Tiernoba Droba, inspecteur régional des affaires religieuses et imam de l'abbaye. Une distinction motivée, dit-on, par les efforts sans cesse déployés par le récipiendaire pour le renforcement de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale à République de Guinée. Visiblement satisfait et apparemment surpris de la démarche, Elhaj Tiernoba Droba a remercié Elhaj Diliba Diaby de ce témoignage de reconnaissance exprimé à l'endroit de son défunt père à travers sa modeste personne. Elhaj Safiullah Ba, doyen des enfants de fée Elhaj Adraman Ba, a lui aussi transmis les sentiments de satisfaction de la famille.